Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous célébrons ce jour, le nouvel an de l'année liturgique, le premier dimanche de l'Avent qui nous introduit dans une période d'attente, une période dans laquelle les uns et les autres, chacun d'entre nous, doit s'interroger sur sa foi et sur son espérance. Les questions qui reviennent dans cette période de l'Avent peuvent être des questions simples comme celle-ci. Est-ce que je suis encore dans l'attente de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que j'attends des autres? Et peut-être plus loin, dans une certaine mesure, est-ce que je suis attentif à l'attente des autres? Et est-ce que je suis prêt à y répondre? Je veux vous inviter à chanter un cantique sous la conduite de l'ancien Foyébel au cantique Bassa 84 avec les correspondances en Boulou et en français. Yesu agalo agato bon mahile agahula bon nu kisata nu akore a yebeba mu a yesamu ba yechena nye na lubisbo bomba bomba ke yo suna Yesu angalo agato bon ba hile agahula bon pa mismo de
nine non son won bo be bon a se benyeni non yeni buyon bomba bomba ke yo sona Yesu agalo Grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous tous réunis ici aujourd'hui, au nom de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Père, et au nom du Saint-Esprit, en vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à attendre la venue de notre Seigneur avec cette louange. Psalmodions avec le psalmiste en ces paroles. Porte, relevez vos linteaux. Haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, fort et puissant. Le Seigneur, puissant, dans les combats. Porte, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, bénissons notre Dieu et adorons ce Dieu qui nous protège, en chantant à nouveau un autre cantique, Passa, Boulou et en français. Yeah.
yenda mnyambe mbani ba kiye ile devi mayenda mnyambe mbani ba Je vous invite à prier le Seigneur. Nous prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, en ce temps de l'Avent, où tu nous réunis, nous voulons te demander, Seigneur, toi qui nous permets de placer notre espérance en la venue de toi-même, notre Seigneur, d'être au milieu de nous. Nous marchons et nous voulons marcher à la rencontre de la naissance de ton Fils, Emmanuel, qui vient au milieu de nous, qui vient rentrer dans la petitesse de notre monde. Petitesse, là où nous le voyons, ce monde si grand pour nous. Seigneur notre Dieu, viens par le biais de ton Esprit Saint. Viens au milieu de nous. Viens pénétrer nos cœurs, Seigneur, pour y provoquer le changement que nous-mêmes nous ne pouvons pas provoquer en nous. Éternel notre Dieu, change nos cœurs. Change-les en chacun d'entre nous et permets que, ayant changé en nous-mêmes, que nous puissions te présenter, ô notre Dieu, une adoration digne de ta magnificence et digne de ta grandeur. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, paroles de grâce et de réconfort. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Lorsque nous nous présentons devant notre Dieu et lui confessons nos fautes et nos manquements, le Seigneur nous pardonne. Ainsi, en tant que serviteur, je veux dire en ce premier dimanche de l'Avent que ce que nous avons présenté au Seigneur comme faute, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne et le Seigneur nous accorde véritablement le pardon de nos péchés. Nous allons maintenant, dans la joie, nous tenir debout pour chanter un cantique de joie et de reconnaissance à notre Dieu.
crise, ma corbeille, mais confessons la foi de l'Église en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions comme notre Seigneur Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Bye. Yeah.